Celle-là, c'est ma préférée. Elle fait briller les yeux. Vraiment ? C'est moitié prix si t'en prends deux. Waouh ! Encore toi ? C'est ta boutique ? Non, c'est à mon père. Ah. Combien ? 800 roupies, s'il te plaît. 800 roupies ? Ok, ok. Pour toi, 550. Incroyable. Alors, ton père te laisse souvent seul ? Non, il est parti combattre les rebelles. Ah. C'est l'armée indienne qui l'a enrôlé, hein ? Non, il était volontaire. Vraiment ? Eh bien, si j'étais ta mère, je ne te laisserais pas seule ici. Bon, en voilà 300. J'ai une meilleure offre. 400 roupies plus ganesh. Ah, t'es sûre ? Il est cassé, regarde. Tu ne connais pas l'histoire ? Ganesh s'est battu contre Parashurama alors qu'il gardait la porte de son père. Oui, pour défendre l'honneur de son père Shiva. Et il s'est fait couper la défense dans la bagarre. Intéressant. Mais bon, il n'est pas à vendre. Il a l'heure. Bon alors, 600 roupies, garde-monnaie. Il te faut un guide. Ah, et ça me coûtera combien ? Je monte dans ce camion avant qu'il s'en aille. Bon, ton ganache, tu en veux combien, dis-moi ? Il est pas à vendre. Quoi ? C'était pas mal. T'as un bon coup de poignet. Mais rends-moi mon ganesh, s'il te plaît. D'accord. Bien tenté, jeune fille.
Tu sais, tu as pas le droit d'entrer avec tes chaussures. Je sais, je voulais juste voir le monde d'appart. Soldats. Attends un peu. T'es pas une touriste, toi, hein? Tout est en règle. Bonjour, madame. Super prix. Merci. Tu vois pas qu'on est occupé? Oh, j'ai tout ce qu'il me faut. Merci. Tu travailles pour la CIA? Ce serait vraiment trop cool. Les gens ont pas le droit de traverser le pont. C'est trop dangereux. Écoute, petite, on s'est bien amusé. Mais il faut que tu me laisses maintenant. J'ai un lit de libre dans la boutique. 300 roupies. C'est le meilleur prix de toute l'Inde. Merci, mais non merci. Je dois monter dans ce camion. Mauvaise idée. Les rebelles, ils font du mal aux gens. Écoute, je dois aller aider mon ami, ok? Écoute ça. À mon retour, je t'offre une pizza. D'accord? Ok. Bien. Merde. Oh, fais chier. Oh. Monsieur. Attends. Monsieur. Oh, non. C'est mon papa. On mangeait une glace et je l'ai perdu. Je peux pas rentrer sans lui. Ça va, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se tenait juste là. Attendez. Les pauvres gars. Ok, une porte rouge. C'est ça? C'est mieux que rien. Et voilà. C'est juste une zone de guerre active. Qu'est-ce qu'il faut encore là? Fuyez pendant qu'il est mort. Allez, on y va! Il est là! Qu'est-ce que vous faites? Merde! Arrête! J'ai rien fait du tout! Saloperie d'espion. Quoi? Non! La ferme! Ah!
Il ment. Non. Dans le camion. Mène-toi. Vous faites une erreur. Je le jure. Je t'ai dit de monter. Tout de suite. Rentre chez toi. Si il bouge, tue-le. Oui, chef. Toi, avec moi. Trop du cul. Sors de là. Allez. Prends ça. Merde. Checkpoint. Je crois que j'ai pas le choix. Hey, doucement. Quoi l'urgence? Qui me dit que t'as pas quelque chose d'illégal sur toi? Lève le bras. Hey. C'est dangereux de se promener toute seule. Hey. T'habites où? T'es sourde? Réponds-lui! Je t'ai demandé où t'habitais. Arafta. Quoi, putain, je suis occupé. Je m'en contrefiche. Oui, chef. Rejoignez-moi vite. Compris. Toi, suis-moi. Mitrailleuse. Chef, et pour elle. Laisse-la passer. T'as entendu? File. Heureusement pour eux que j'ai autre chose à faire. Rien à signaler. Hé, hey, toi là-bas! Allez! Allez! Bon, ça commence bien. Un peu les rues. Merde, ça se rapproche. Fini le service dans une heure. J'ai le sommeil. Tu peux dormir dans le camion. Non, merci. Okay. C'était le dernier ou pas? Presque. Il en reste encore deux dans l'allée. C'est pas le moment. Bouge ce soir. Pink Lotus. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une grande...
grande victoire. Elles n'ont rien vu venir. Merde. Ça a pas longtemps depuis longtemps. Depuis longtemps. Je suis avec Assad depuis qu'il chasse des artefacts partout en Inde. J'ai hâte de me battre pour de vrai. Cet endroit est merdique. Quand est-ce qu'on va se battre contre les tyrans ? Assaf dit qu'il lui faut du temps pour se préparer. Ça va plus durer très longtemps. Ne fait pas les choses à moitié. J'imaginais autre chose. On dit qu'il y a au moins deux cibles. L'entrepôt et une autre. T'as mal choisi ton endroit, ma belle. C'est quoi ce bordel ? Nulle part où aller. T'es en retard, Fraser. Invite te voir aussi. À la fin. Je te croyais professionnel. Oh, tu devrais te détendre. Tu vivras plus longtemps. Me détendre? Ça m'a pris des semaines pour pister Assav. Y a pas plus imprévisible que lui. Encore un seigneur de guerre qui n'a plus de guerre. Tu le connais pas comme je le connais. Il change de lieu et d'organisation toutes les heures. On peut pas se permettre de prendre ce genre de risque. On? Je vais être très claire. C'est moi l'experte. Si tu veux ta part, on va faire ce que je dis. Alors, tu te décides ?
c'est le barbu. J'aime mieux ça. Il est pas mal. Si t'aimes les psychopathes. Personne n'est parfait. Où est leur base? Balcon, dernier étage. Je vois. On y va. J'avais planifié un itinéraire dans les rues. Et ils vont nous chercher maintenant. Tu suggères quoi? Je vais trouver une solution. Oui, à Sav.